Bonjour à tous et à toutes. Troisième vidéo de la journée. Oui, ça s'enchaîne vite. C'est par rapport au sujet qui arrive au fur et à mesure. Et des fois, ça arrive très vite. Donc, je fais les vidéos avec mon style. C'est mon style personnel. Ma chaîne a été créée par rapport à ce que je présente. Le sujet qui me plaît, les sujets qui me plaisent. Dans le but d'informer une majorité de personnes. Ça plaît ou ça plaît pas, ça, c'est vous qui voyez. Un pouce bleu si ça vous plaît, et puis c'est tout. Ça plaît pas, y a d'autres chaînes, hein, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous en sachiez un maximum sur la voiture électrique, surtout une chose, ne pas regretter votre achat à cause de quelque chose que vous n'auriez pas su au départ en achetant la voiture électrique. Je prends l'exemple d'un abonné sur ma chaîne, une personne très active dans les commentaires, des commentaires très pertinents qui apportent énormément de précisions, qui viennent compléter mes vidéos. Je le remercie au passage. Il n'y a pas que cette personne-là, il y en a d'autres. Même charge map avec l'intermédiaire de Gavzel amène des informations supplémentaires. Pour avoir les bonnes informations, les bons détails, c'est pas facile. C'est dispatché partout, hein, à droite à gauche. Il y a des chaînes qui vont parler de tel phénomène, de tel sujet, de tel problème ou qualité. On ne peut pas concentrer tout sur une seule chaîne. Pourtant, moi, de mon côté, avec ma façon de faire, j'essaye de répondre rapidement en me mettant à la place des personnes qui n'y connaissent rien, ou très peu. Et pour vous éviter les malentendus et problèmes qui peuvent survenir au fur et à mesure que vous découvrez l'électrique, le véhicule que vous avez acheté. Je reviens donc sur une de mes vidéos, toute récente, elle a été mise en ligne aujourd'hui, et il y a déjà les commentaires qui sont tombés, les commentaires explicatifs de ce qu'a vécu justement cette personne, cet abonné. Il avait donc sa voiture en charge, sa Zoé, en charge sur la borne de ma vidéo, celle-ci. Voilà, vous avez donc... Non, on ne voit pas. Je vais rapprocher, tourner la caméra. Ici. Vous voyez l'icône de l'en-tête de la vidéo, vous l'avez, hein, de toute façon, sur ma chaîne, c'est la plus récente, une des plus récentes. Et donc, j'avais pris l'exemple d'une photo d'un Ikea avec une Zoé en charge et la Hyundai Ioniq. Et il se trouve que ce modèle de Ioniq, cette Ioniq, charge pas vite sur une borne type 2. Eh oui. Alors, on voit le commentaire. J'espère que c'est assez visible sur la vidéo. Je vous laisse lire ce commentaire-là. J'ai zoomé de telle façon qu'on puisse le voir en intégralité. Je zoome un petit peu plus. Voilà. Et cette chaîne que j'ai créée, c'est bourré de ces commentaires-là. Qui explique, qui exprime. Ça peut être utile ou pas utile. Ça peut être des réponses, des rajouts. C'est pour ça que c'est extrêmement important de lire les commentaires sur ce genre de vidéo, ce genre de chaîne. La mienne, d'autres, c'est le même principe. Vous pouvez avoir 5 commentaires qui ne vous intéressent pas et le 6e qui va vous intéresser. C'est bien important d'en mettre des commentaires. Donc je vous laisse lire, tout simplement. Prenez le temps. Faites une pause sur la vidéo si nécessaire. Ça concerne la Ioniq qui charge pas vite, justement, sur ce genre de borne. Alors aussi, j'en profite pour m'adresser à ceux qui vont acheter une voiture électrique qui sont tombés sur un modèle qui leur plaît. La Zoé ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est malheureux, enfin, c'est la voiture capable de recharger pratiquement sur tout. Rapidement. C'est le seul modèle conçu comme ça. Vous aurez d'autres marques, d'autres modèles qui auront des possibilités de charge sur une prise CHAdeMO ou type 2 à 11 kW ou CCS Combo à très haute puissance. Ça s'arrête là. Dès qu'elles vont arriver sur du type 2, ah bah là ça coince. La recharge chute immédiatement. Et ça ne va pas bien sur une borne de recharge sur un parking de grande surface.
ou autre, parce que vous avez à côté une Zoé qui se recharge à sa vitesse normale, hein, elle utilise le potentiel de la borne, 22 kW, et vous, à côté, vous rechargez quasiment deux fois moins vite. Et bien sûr, ça peut poser problème, parce que vous monopolisez la borne, alors qu'une autre personne arrivée avec sa Zoé a envie de se recharger, elle est obligée d'attendre que vous, vous ayez rechargé suffisamment. Il faut bien penser que vous rechargez exclusivement ce que vous avez besoin pour repartir. Si vous monopolisez une borne alors qu'il y a de l'attente, histoire de dire que vous rechargez à 100%, bah, vous faites du tort à ceux qui attendent, puisque vous pouvez recharger à 50% et rentrer chez vous, finir la recharge chez vous. Ça, ce ne sont pas dans les concessions qu'on vous l'explique. On ne vous dira pas, mais attention, votre voiture là, ne recharge qu'à 11 kW sur une borne, une borne de 22 kW. Vous y connaissez absolument rien en puissance de recharge. Le vendeur, s'il est bien formé, il va vous sortir les chiffres, c'est son boulot. Mais vous, est-ce que vous êtes capable d'encaisser cette nouvelle information? C'est pas évident, hein. Je me mets à votre place, hein. C'est pas facile. Et ça peut peut-être vous faire regretter l'achat d'un véhicule électrique, du moins de ce genre-là. Ah oui. Pour l'instant, les bornes ne sont pas disponibles à foison partout. On sait. La Ioniq n'a pas une autonomie extraordinaire, à part la nouvelle qui atteint 300 km, je crois, un peu plus de 300 km. Ce qui permet de chercher une borne un peu plus confortable, un peu plus loin. Mais ça reste malgré tout pas très évident. L'infrastructure avance, mais lentement, beaucoup plus lentement que le nombre de véhicules électriques qui sont vendus, puisqu'il s'en vend vraiment beaucoup, de toutes sortes, exclusivement électriques. Je ne parle pas des hybrides rechargeables, c'est une aberration ça. Là, vous rechargez à la vitesse d'une tortue sur une prise, type 2. Là, c'est même pas la peine, vous allez attendre 6 heures, 7 heures avant de récupérer 50 km d'énergie électrique. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Il faut vraiment regarder ces genres de vidéos pour les faire connaître. Partagez l'expérience que d'autres partagent ici, sur ce point central. Parce qu'une vidéo, c'est très facile à regarder. C'est très facile à revenir en arrière, à faire une pause pour reprendre l'information, si on n'a pas bien compris. Ça, c'est important. Que si vous parlez à quelqu'un qui va vous donner l'information, vous allez passer à autre chose. L'heure suivante, vous aurez perdu la majorité de l'information. Vous aurez tout oublié, tout simplement. Parce que c'est quand même technique. C'est simple et technique à la fois. C'est simple pour ceux qui utilisent au quotidien et très compliqué, très difficile à retenir pour la majorité d'entre vous. À plus de 90%, c'est difficile. Il faut bien dire les vérités comme elles sont, hein. S'il n'y a pas autant de bornes en France nécessaires aux modèles comme la Ioniq, c'est pas de votre faute à vous, hein. C'est bien parce que l'État n'investit pas dans le domaine, ne s'investit même pas du tout. C'est triste à dire, mais il n'y a pas d'investissement qui régule, qui impose tel type de borne par rapport à telle voiture, tel véhicule. Pour l'instant, c'est complètement laissé aux maires, aux communes, aux départements, aux régions, d'investir, de payer sans formation l'installation de ces bornes-là. C'est pas l'intérêt de l'État que ça aille trop vite. On se doute bien pourquoi. C'est une histoire de gros sous. Oui, mais vous aussi voulez récupérer de l'argent grâce à l'électrique. C'est bien le but. Vous savez que c'est écologique. Vous avez la fibre écologique. Vous savez que ça ne va pas le thermique. Ça ne va plus maintenant. Vous investissez dans une voiture neuve ou d'occasion en électrique. Vous voulez aussi, vous, gagner de l'argent en même temps. Et on en gagne de l'argent. Enfin, du moins, on en dépense beaucoup moins qu'un thermique. Et c'est beaucoup plus fiable, c'est très confortable. Vous êtes vraiment heureux ou heureuse de votre voiture électrique. Il ne s'agirait pas de regretter sur une simple recharge. Ça vous amène à dire des choses négatives sur l'électrique. Ça n'irait pas dans le bon sens. Donc je suppose que vous avez vu le commentaire de Zoé40, User. Donc voilà, c'est explicite, hein. Et ce genre de mésaventure arrive beaucoup plus fréquemment qu'on croit. Et oui, c'est une vérité. Voilà, je tenais à mettre cette vidéo en ligne.
Les idées, ben, c'est vous qui les amenez aussi, hein, de par vos mésaventures ou alors vous, au contraire, les choses heureuses qui arrivent sur l'électrique. N'hésitez pas à partager ces moments sur les vidéos, en commentaire. C'est agréable pour tout le monde. Ou ça informe les personnes en même temps. Parce que sinon, on ne le fait pas en tant que particulier. Qui c'est qui va le faire à notre place? Personne. Ce n'est pas un journaliste qui va le faire à notre place. Le journaliste, c'est son boulot, il va passer à autre chose. C'est pas grave. On ne se basera pas sur les informations venant de ces gens-là. Ce qui compte, c'est l'information du vécu des utilisateurs de véhicules électriques tous les jours, dans des situations différentes, dans des lieux différents, que ce soit pour des vacances, des visites entre amis, qui nécessitent des centaines de kilomètres de déplacement. En électrique, ça coûte quasiment rien. Il ne faut pas que ça finisse en queue de poisson. Quand on fait le choix d'un véhicule électrique, renseignez-vous avant d'acheter le véhicule électrique. Attendez pas que le vendeur vous donne des informations qui seront quasiment incompréhensibles pour vous. Il va vous parler de bornes CHAdeMO, prix CHAdeMO, de prise CCS Combo, de prise type 2, etc. Prenez l'information à la source, ici, là, sur cette chaîne, je la montre. Prenez-la, il y a des centaines de vidéos, enfin des dizaines de vidéos. Vous trouverez toujours une information. Elle ne sera pas toujours valable pour vous, elle ne sera pas toujours parlante, dans le sens que vous ne comprendrez pas forcément tout. Mais vous aurez quand même une approche. Et quand vous allez à la concession acheter un véhicule neuf, vous dites, moi je veux tel véhicule, tel véhicule. Tel... Ah bon, pourquoi vous voulez que ce véhicule-là? Parce que ce véhicule-là, il a une prise qui va donner pleine puissance sur une borne publique. Cette prise-là et cette prise-là, c'est pour ça que je prends ce véhicule-là. Ah oui, mais on préfère nous vendre celle-là. Bah, pourquoi vous voulez préférer vendre celle-là? Vu mon style de conduite, vu les distances que j'ai à faire, il faut que je compte sur une recharge rapide et il n'y a pas 36 000 véhicules qui me proposeront ce service-là. Pour l'instant, c'est comme ça. Il faut espérer que dans l'avenir, ça change. Qu'il y ait de plus en plus de bornes CCS Combo. Bah oui, mais ça pousse pas vite, hein, malgré tout. Bah, dans mon département, il n'y en a pas. C'est simple, c'est radical, il n'y en a pas. Ah oui, hein, c'est incroyable, hein. Le type 2 à foison. Tout est fait pour la Zoé. Le type 2, foison. Ah, vous avez une Zoé, vous pouvez aller où vous voulez, ça rechargera plein pot. Il n'y a pas de problème. Mais je dis et je répète, ce n'est pas forcément le véhicule qui vous conviendra. Ça peut convenir à beaucoup, mais pas forcément à tout le monde. Hein, je retourne la phrase dans tous les sens pour bien faire comprendre les choses. Si vous achetez une voiture d'occasion, je continue un petit peu. Si vous achetez une voiture d'occasion auprès d'un particulier, le particulier va vous donner des informations que le concessionnaire, le vendeur ne vous donnera pas. C'est obligé. Avec un particulier, on peut discuter. Sauf s'il est pressé, qu'il a un car à prendre ou un train 5 minutes après. Mais s'il a le temps de vous expliquer, il vous expliquera. Il vous dira, lui, par rapport à son vécu, ce qu'il est possible de faire. Il fera peut-être pas ce que vous, vous ferez. Il vous donnera pas forcément les bonnes informations par rapport à ce que votre voiture, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de faire des distances importantes tous les jours. Vous aurez besoin de refaire une charge tous les jours sur une borne publique. Ou alors est-ce que c'est un véhicule que vous rechargerez exclusivement chez vous? Et rarement sur une borne. À ce compte-là, la Ioniq est intéressante aussi. C'est le type de charge qui conditionne l'achat d'une voiture. Mais si on recharge la voiture à la maison à 95% du temps et même 99% du temps, c'est parfait. On peut prendre n'importe quel véhicule électrique à un prix raisonnable qui est actuellement sur le marché. Vous trouverez votre compte. Vous serez heureux, vous serez heureuse. Mais si vous êtes, je répète, si vous êtes appelé à faire une recharge sur une borne publique, jamais la même, comme par hasard, toujours une distance maximale de l'autonomie, et vous rencontrerez ou pas, je vous souhaite ou pas, de problème. Voilà. J'espère avoir été assez clair. J'insiste, hein, j'insiste lourdement, hein, sur des points précis. Ne vous trompez pas. Et pour ne pas vous tromper, prenez les informations et partagez les informations.
Si vous savez quelque chose en ce nouveau moyen de commotion, de cette nouvelle énergie qu'est l'électricité pour alimenter nos véhicules, partagez l'information si vous la connaissez, que vous la trouvez fiable. Voilà. Dénigrez pas l'électrique parce que vous avez un problème avec une voiture électrique, parce que la marque d'à côté, le modèle suivant, lui, n'aura pas ce problème-là. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Vous comprenez ça aussi? Il faut bien cibler les choses, hein, bien les départager. Vous avez charge map, vous avez une voiture électrique, préparez votre parcours. Surtout, c'est important, préparez votre parcours si vous êtes obligé de dépasser l'autonomie de la voiture et recharger sur une borne. Faites bien attention à ça. J'en ai fini. Je vous dis merci d'avoir regardé, écouté et puis lu en même temps le texte sous les yeux. Et partagez votre expérience autour de vous. C'est ce qui fera aussi avancer les choses, comme je dis toujours. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.